こんばんは皆さん、元気ですか？Vous êtes très silencieux aujourd'hui. Que se passe-t-il? Comment ça va tout le monde? Dès que je dis Naruto, vous mettez des Naruto dans le chat s'il vous plaît. Onegai shimasu. Hi, Naruto-kun ne, Naruto-kun desu ne. Hai hai, ja, chotto matte ne. Hi.こんばんは皆さん、元気ですか？元気ですか？Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que votre début de semaine s'est bien passé? Dites-moi. On commence doucement la semaine, vous n'êtes pas beaucoup pour le moment. On va comme d'habitude évidemment papoter pendant les 10 premières minutes.Konnichiwa, konnichiwa. C'est une nouvelle manière de dire bonjour. Comment ça va tout le monde? Coucou Marwena, coucou Yanisan, coucou Seima, coucou Dankor, coucou Sourni évidemment. Un peu une journée de merde. Ah non, donc t'inquiète pas. Maintenant, ta soirée va forcément être mieux vu que t'es chez nous. On t'envoie plein de love, je t'envoie plein de love.Et de good vibes. Merci, c'est moi. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est une petite grenadine. Voilà, n'hésitez pas tous à prendre une grenadine aujourd'hui. Sans sucre pour moi. À votre santé, c'est moi, kampai. Et tout le monde, kampai. Ok, disons, je suis là, mais pas là.Je suis là, mais pas là, ok? Ok, ça marche. Trop fatiguée. Oh, bah je me doute, Kalidour, juste que tu m'as dit ton message, je te fais dénader. De rien, ça me fait plaisir. En vrai, à chaque fois, je prépare ma boisson spécialement pour toi ou Yanni, parce que je sais que l'un de vous deux, vous allez lancer ça en début de live. Je le sais maintenant, je le sais. l'avantage, c'est que si la journée est nulle, ça peut difficilement être pire. C'est vrai, c'est vrai. Mince, c'est vrai que le W n'est pas à la même place sur le clavier japonais. Ça m'apprendra à me relire. Ah ! Je comprends mieux ! Je comprends mieux ! Et du coup, fais attention. Alors là, ça vaut pour tout le monde. Kon, ni. Du coup, en fait, il faut taper trois fois sur le N. Faire le petit N. Et après le N avec le I. Kon, ni, ti. Et la piège. Beau petit piège. Hein. Ça se prononcera wa.Mais quand vous allez le taper sur votre clavier, c'est H-A. Konnichiwa. 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 Non, Kalinours. Allez, on envoie des good vibes à tout le monde dans le chat. Envoyez-moi des labou-labou. Oulala. Oulala, le début de semaine compliqué pour beaucoup, je crois. Allez, on envoie du love. On envoie du love, s'il vous plaît. Même moi, là, je vais vous envoyer du love. Vous avez l'air d'en avoir besoin.Votre Kindy Sensei est là pour vous, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Konnichiwa wa 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 desu ne. Konnichiwa wa 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 wa. Sou desu ne, sou desu ne. Bon, en tout cas, il s'est passé des choses ce week-end. Il s'est passé des choses parce que si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux, avec Gosto, on s'est mis à jouer à Pokémon. Et du coup, on a acheté des cartes.Des boosters, des displays même. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave. Faut se faire plaisir des fois. On est d'accord, des fois, faut se faire plaisir. Bon, on s'est fait plaisir avec des displays. Et on les a ouverts dimanche. On a eu de ces cartes. Des pépites. Je vous mettrai des photos. Ceux de toutes les cartes. Genre V et V Max, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des cartes Pokémon. Elles étaient magnifiques. Magnifiques.Mais il sait pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y avait un goal à 25 subs. Sauf qu'il y a Major qui a pop comme ça, de nulle part. Et qui, à chaque fois qu'on avait une petite carte brillante, et ben il lâchait ses subs. Autrement dit, vous êtes petit là sur le chat et vous avez reçu un sub de lui en fait. Parce qu'il en a fait plus de 100. Donc il se peut que grâce à Major, et ben, vous soyez abonné à cette chaîne. Et ça me permet du coup de rappeler à toutes les personnes qui sont abonnées que vous avez des avantages. Et ces avantages-là, ils se trouvent sur le serveur Discord d'Apprenons Japonais. Parce que
eh bien, vous pouvez récupérer tous les diaporamas, toutes les petites fiches que je vous donne. Nya, arigato! Nya, arigato! En parlant de ça, Pounesse Sam, Rissab! Coucou tout le monde, je suis juste de passage ce soir. Oh non, c'est vrai, Pounesse Sam, tu vas pas pouvoir travailler avec nous? Pien, dommage. 104, Dixit le compteur, exactement, voilà, 104. Il a fait plaisir à tout le monde, donc j'espère que vous allez profiter de cet abonnement. En tout cas, n'hésitez pas, sur Discord, vous allez pouvoir récupérer tous les diapos des cours, en plus des replays qui sont déjà disponibles pour tout le monde gratuitement. C'était un peu l'occasion d'en reparler. Non, je suis encore au bureau. Oh non, punaise, c'est ça. Gambate. Espèce d'influenceuse, le craquage n'est pas loin. Ah non, Kelly d'ours. Ça va aller, Kelly d'ours. Fais tes comptes. Achète quelques boosters. Juste quelques boosters, ça va encore. Une vingtaine d'euros. Ça fait 3 boosters. C'est déjà, tu vois, si ça peut soulager ton envie frénétique de te remettre à Pokémon. Bientôt, Mayu sentira son souffle sur sa deck. Ah ouais, non, mais en un dimanche, il a fait plus de la moitié de ce que Mayu a fait sur 2 ans. À partir de là, j'ai dit, mais où va le monde. Donc voilà, je pense qu'on peut remercier Major d'avoir rincé la communauté d'apprenants japonais. Et j'espère, grâce à ça, vous voir participer un peu plus, ceux qui sont cachés dans l'ombre, des vues, mais qui ne parlent pas trop. Voilà, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi les Mochinobi. Et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Je suis posée, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à... Allez, comme d'habitude, là on fait la fiesta et tout. Non, aujourd'hui c'est calme, c'est chill. Je sais pas, je suis posée aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Ça va vite changer dès qu'il y aura une petite faute, mais vous inquiétez pas. T'inquiète, je ne ferai pas un craquage à 200 euros. J'ai des chaussures à racheter et il vient d'avoir la facture. Ah, la facture de gaz. Ah, aïe. Ah, je compatis. Tout ça pour compenser les achats compulsifs de cartes Pokémon. Alors, Seima, c'est pas compulsif, c'est un cadeau qu'on s'est fait à nous-mêmes avec Gosto. Et en plus, on joue pour de vrai. Donc c'est rentabilisé. Major a rentabilisé déjà un display, je dis ça, je dis rien. mais voilà. Et du coup, je pense que de temps en temps, je ferai des lives Pokémon comme j'ai pu le dire dimanche. Où je traduirai les cartes Pokémon japonaises que j'aimerais bien, quand je joue contre Gosto, les mettre dans mes decks. Mais du coup, il faut que je traduise les actions les plus compliquées, on va dire, là où il y a des mots ou des kanji, peut-être je sais pas trop ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de choses. Ce sera pas pour cette semaine, mais peut-être dans les semaines à venir. C'est comme tout, si j'ai le temps, eh bien, vous verrez de nouvelles choses apparaître. Et si je n'ai pas le temps, eh bien, ce sera remis à plus tard. Mais du coup, pourquoi je dis ça aussi? Il y a des choses à dire aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que grâce à Major, il y a le sub goal qui était à 25 subs, qui a été débloqué, genre comme ça, pouf, magie. Et ce sub goal, eh bien, c'était un live scrapbooking où eh bien, je m'occupais de mon album photo des 1 an au Japon, donc de 2018 à 2019, quand j'étais à Yamaguchi. Donc ça se fera en live, je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, mais un samedi matin peut-être, ou un dimanche matin, je ne sais pas encore, il y aura un petit live spécial où je commencerai à faire mon album photo pour vous parler un petit peu aussi de tout ce que j'ai fait pendant cette année, vous montrer des coins sympas, vous verrez. Ah ouais, non, ça y est, c'est pas la même chose. Coucou Little Frog, comment tu vas? Coucou Zen Attitude. Bonjour à vous ainsi qu'à votre compagnon Candice. Comment allez-vous? Bonjour les chats. Ça va super et toi Zen Attitude? Comment vas-tu? Genki desu ka? Enfin voilà, dimanche il s'est passé pas mal de choses. Ce qui fait que il y a un nouvel objectif. Alors celui-là, désolé, hein, mais il est énorme. Parce que je ne sais pas dans les chats qui est là depuis genre l'origine, depuis 2 ans plus ou moins, mais pour ceux qui ne sont pas là, que je vous raconte, attention, Mère Candice vous raconte une histoire. Au tout début d'Apprenons le Japonais, je faisais du streaming sur un jeu qui s'appelle Let's Learn Japanese to Survive.
Et ça consistait à battre des hiragana et des katakana, ce qui permettait à la fois de les apprendre, de les réviser. Sauf que ce jeu-là, bon, c'est les kana, on a fait ceux de base, je ne l'ai jamais fini parce que c'est un jeu qui... Comment dire ? On se lasse assez vite, hein, on se lasse assez vite. Mais, il y a une trilogie. Et je n'ai jamais joué à Let's Learn Japanese, la version Kanji. Donc, si on arrive à un sub-goal de 100, eh bien, il y aura, pour la première fois sur cette chaîne, un live 12 heures. Alors, pour le moment, je crois que le record, ça doit être 8 heures. Je n'ai pas dépassé 8 heures, voire 9 heures, peut-être, mais grand max. On n'a jamais fait 12 heures. Il y a Jeremy Land, le copain, qui a fait ça, justement, dimanche. Eh bien, voilà. Si un jour, vous réussissez à faire ce sub-goal, vous aurez le premier live 12 heures sur cette chaîne avec un super jeu où nous pourrons réviser les kanji et où nous reverrons nos chers personnages qui sont morts tellement on les a pas vus. Après le live de Jeremy hier, ouais, avec des bonbons dégueu. Je sais que quand je suis venue à la fin, Lurk, il était là en mode j'arrête les bonbons pas bons, genre là je peux plus, il était au bout le pot. 12 heures de bonbons pas bons, vous l'avez pas épargné, je crois. Je crois que vous l'avez pas épargné. Je le plains un petit peu. Mais voilà, on a le temps dans tous les cas. Je pense que ça se fera pas maintenant. J'espère en tout cas parce que je suis pas prête. On va déjà essayer de faire le live scrapbooking, d'organiser ça. Et puis, bah, comme d'habitude, on n'oublie pas, hein, 4 cours par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h30. Ça ne change pas. Et encore, il a mis un cooldown d'une demi-heure. Ah ouais. Ah ouais, ah non, bah c'est un peu fragile aussi, Jeremy. Non, tu me diras, ça fait 24. 24 bonbons, ça va. En plus, ils sont... je suis sûre, il y en a, ils sont bons quand même. Jeremy, si tu passes par là, bisous. Je vais faire un petit clip. Ah non, le clip a pas fonctionné, je suis deg. Ah si, c'est bon. C'est bon, le clip a fonctionné, je lui enverrai. Alors, les bonbons Harry Potter. Ah, c'est cela qu'il a fait ? C'est pas les bonbons japonais ? Parce que si c'est les bonbons Harry Potter, je les ai. Hein. J'en ai acheté à Gusto. On a les trois boîtes. Quel est ton niveau de japonais ? Alors, en version japonais, mon niveau, c'est entre le N3 et le N2. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, notamment toi, Danke, ça fait référence au diplôme du JLPT. Le niveau le plus bas, c'est le 5. Le niveau le plus haut, c'est le 2. Et on considère qu'on est, entre guillemets, bilingue quand on a un niveau N2. Et moi, je me dirige vers ce niveau N2. Il y a des choses encore que je ne connais pas. Des kanji, notamment. C'est pas mes habits, les kanji. Mais voilà, je me débrouille bien en compréhension, en expression orale, écrite, de manière générale, en grammaire. Il y a juste les kanji, c'est pas mes amis. Enfin, je les aime bien, mais ils m'aiment pas. C'est ça le problème. Oh non. Voilà, il y a le N1, mais N1 c'est plus que bilingue. C'est genre natif, natif, plus, plus. Même les japonais au N1, ils ont pas 100% au N1. À partir de là, N2 quoi. N2, N2 c'est déjà très bien. Bon, il y a ma mèche qui est en train de faire un peu n'importe quoi, je suis désolée. Ma perruque... Bon. Bon, quoi qu'il en soit, oui, défi perruque, hein. Jusqu'à la fin de la semaine. Il reste une semaine, voilà, j'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur pendant les quelques jours qu'il reste. Bon, sur ce, les gens, est-ce que vous êtes prêts à faire un peu de katakana ? Est-ce que vous avez un petit peu révisé ? Dites-moi. Si vous êtes prêts, n'hésitez pas à me mettre des petits clap, clap, clap dans le chat pour commencer à réviser les katakana. Et je vais déjà boire parce que je suis une pipelette. Ouais, Little Frog est prêt, Morwena est prête. Comme nous en français, exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Emma. Ah, Kitiara est prêt aussi. Alors, on va faire une petite transition diapo déjà. Voir ce que l'on va travailler aujourd'hui. Katakana o benkyo shimashou ne, seimo ne. Faites-moi avoir envie, s'il vous plaît, Kendi Sensei. Moi... qui ne reconnaît qu'une petite cinquantaine de kanji. Combien en connaissez-vous, s'il vous plaît ? Alors, comment dire ? je sais en lire plus de 1000, c'est sûr. 1000 combien, je sais pas, mais je sais en lire plus de 1000. Presque tous ceux du N3, en réalité, je sais les lire. Par contre, les écrire, j'oserais même pas les compter. Je pense que ça doit être la moitié, à peine la moitié. Je pratique plus du tout l'écriture depuis des années. Depuis que je suis revenue du Japon, donc ça va faire
3 ans, 3-4 ans. Mais voilà. Donc t'inquiète pas, ça fait une attitude 8 ans que je fais du japonais. Et au bout de 8 ans, et je suis pas la plus assidue malheureusement en kanji, on sait plus ou moins en lire 1000, voire 1200, voire 1300, même des fois 2000, si vraiment... tout dépend beaucoup de votre volonté, votre motivation, le temps que vous y consacrez surtout, c'est ça qui est important. La manière dont vous les apprenez, ça joue aussi beaucoup. Je dis pas plus de choses, parce qu'en réalité, il va y avoir une super émission, alors je sais pas si vous connaissez, ça va s'appeler Sakura Amen. Et cette émission-là, elle aura lieu sur cette chaîne, à partir du 21 mai, le samedi à 20h30. Et je dis ça, je dis rien, mais à un moment donné, on va parler des kanji. Et de, voilà, essayer de vous donner des petites astuces, des petits trucs là, qui peuvent vous faciliter l'apprentissage de tout ça. Mais j'en dis pas plus, faut regarder pour l'émission, hein, sinon... sinon c'est pas drôle. Konbawa Kiki-san, comment tu vas? Genki desu ka? Est-ce que tu es en forme? Mais voilà. Ah, bah écoute, Zen Attitude, t'en connais déjà. C'est ça qu'il faut te dire. Il y en a, ils en connaissent zéro. Toi, t'en connais déjà. Reste sur cette note positive. Et prends ton temps pour les apprendre. T'as le temps. T'as toute ta vie pour les apprendre, les kanji. Bon, sur ces jolies paroles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Leçon numéro 4. Je me suis trompée, non? Ah bah ça y est. Leçon numéro 3, plutôt. Je sais plus. 3, 4, bon. La suite. On va voir les dernières lignes. Donc la ligne des M, la ligne des Y, la ligne des R et les W et le N tout seul. Comme d'habitude, hein, ça, on va prendre une trentaine, peut-être un peu plus, vu que là, il y a plus de caractères pour les tracer. Ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui ont Discord, n'hésitez pas à aller maintenant imprimer le petit PDF que je vous ai donné. Ce sont des grilles de traçage pour chacun des caractères. Ça peut être pratique, plutôt que de devoir regarder à chaque fois l'écran et de faire ça, 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 ça. Par exemple, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pas d'inquiétude, c'est le moment de prendre une feuille ou un cahier, ce que vous voulez, un support pour écrire avec un crayon, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de pratiquer ces caractères, de les écrire tout en travaillant la prononciation. Et comme à notre habitude... Eh bien, on finira ce petit cours avec une session exercice, notamment pour ceux qui les connaissent déjà et qui sont là plutôt pour réviser la lecture. Et on le fera sur le thème de la nourriture. Voilà, il y a une vingtaine de mots environ. Et ce sera à vous de jouer à la fin de ce cours. Mais je vous réexpliquerai tout ça. Ah, mise au point, c'est bon. En temps voulu. Est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas à me mettre des petits clap 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 dans le chat si vous êtes prêts. C'est le moment ou jamais. J'espère que vous avez pris tout ce qu'il vous fallait. À boire également, c'est toujours bien. Et bienvenue à toi, Elle Brise San. Merci beaucoup pour ton follow. Follow, je t'ai coulé. Arigatou gozaimasu. Kono channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Tiens. Est-ce que c'est les recos? Est-ce que c'est autre chose? Ah, il y a des motivés. J'aime bien ça. Un peu plus de clap, 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 là. un peu, mais pas trop, c'est ça, aujourd'hui? On y va doucement, on reprend doucement. Allez, on reprend doucement. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec la date. Évidemment, je ne vous ai pas oublié. Minasan, kyo wa nanichi desu ka? Pour ceux qui ont commencé à apprendre les dates en japonais, pourriez-vous m'écrire dans le chat en hiragana la date d'aujourd'hui, ou alors on m'a dit pour ceux qui n'ont pas encore le clavier. Kyo wa nanichi desu ka? Pour ceux qui n'ont pas le rappel du jour, on est le 2 mai. On est en mai maintenant, le 2 mai. Dites-moi. Ah, punaise, c'est ça, est-ce qu'il est encore là? Good job, Seima. Kyova nanichi desu ka? Nangatsu nanichi. Ah, iene morwena. Attention à la fin. Oublie pas un petit élément. Important quand même, c'est le verbe. Sou desu ne. Sou desu ne. Kyova gogatsu. On change de mois. Du coup, faut le retenir. Hein. Plutôt facile, hein, c'est 5 plus gatsu. Gogatsu. Et futsuka. On est le 2.
lecture spéciale à retenir. 今日は5月2日です。Hein? Pour faire une phrase complète. 今日は5月2日ですね、プレンセさん。いいね、いいね。Voilà, à retenir du coup, nouveau mois et le jour numéro 2. Comment vous me diriez qu'hier, on était le premier ? 昨日は何日でしたか ? On était quel jour hier ? 昨日は c'est moi. 素晴らしい。素晴らしいです。素晴らしい。C'est merveilleux, ça y va. Déjà, minasan, minasan. Kino wa nanichi deshita ka? On était quel jour hier? Sou desu ne, mawainasan. Sou desu ne, seimosan. Kino wa 5月 1日. 1日, c'est le premier jour du mois. Hein. 1日 desu. Et pas de soucis, c'est une attitude. À la limite, pour toi, c'est le moment d'essayer de retenir. Tu vois, de commencer doucement. Hop, voilà. Le mois de mai, c'est go. Comme 5, gatsu le mois. Et futsuka, c'est deuxième jour du mois. Une lecture spéciale. Si tu peux commencer à retenir maintenant des petits jours par-ci par-là, tu verras, ça te sera vachement utile. Il a été voir sur le Discord de le vilain. Aso deska. Moi, ça, il m'a acheté le nez. Je pense que Saïba connaît cette date. Je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Bon, très bien, tout le monde. Hein. Gokatsu futsuka desu ne. Et donc, du coup, on va commencer l'écriture et avec eh bien, la ligne des M. Je vous remets mon petit tableau. Mon petit tableau. Ah, ben, j'ai oublié d'effacer. Hop. Mon petit tableau. Et on va reprendre avec le ma. Alors, le ma, eh bien. Ça va être à vous de jouer hein, sur votre feuille. On va être sur du 2 traits. 1 et 2. Je vais le recommencer parce que là, il est pas foufou, hein, on est d'accord, il est pas foufou. 1 et 2. Ah là, c'est un peu... Ça va, j'ai pas manqué beaucoup, j'ai dû descendre ma poubelle car ma mère a demandé avant de la sortir. Ah, ça va, ça va. On vient tout juste de commencer. Timing parfait, comme on dit. Timing parfait. Donc, on commence avec le ma. Qui est en deux traits. Hein. Et vous allez voir, il ne va pas falloir le confondre avec le mou que l'on verra juste après. Ma, je vous le refais une fois. En attendant, et bien, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, 5, 6, voire 10 fois, si vous le pouvez, sur votre feuille pour vous entraîner. En étant bien concentré sur l'ordre et le sens des traits, d'accord ? Et je le dis à chaque live, mais n'hésitez pas à la fin du cours à prendre une petite photo et soit à le poster sur Discord pour que je puisse y jeter un coup d'œil, soit à le poser sur Instagram, en story par exemple, avec un petit arrobas à pronom japonais, ce serait pas mal. Et pareil, je pourrais reposter ça et regarder votre travail tout au long du stream. Une dernière fois, 1 et 2. Voilà, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. On passe au suivant. Bien évidemment, si à un moment donné vous avez des questions, comme d'habitude, elles sont les bienvenues, donc n'hésitez pas à les poser. Pour le mi, eh bien le mi, on est sur trois traits penchés, hein, les uns au-dessus des autres, et ça nous donne 1, 2 et 3. Voilà, quelque chose de ce style-là. Et vous pouvez vous dire Do, Ré, Mi, c'est comme les trois touches d'un piano, ou les trois premières touches d'un piano. Moi, je sais que c'est ce que je me disais à l'époque. Il y a 8 ans de cela. Par contre, je comprends pas, c'est quoi ce badge rose? Ah, ben ça doit être une prédiction Pokémon qui n'a pas été résolue. On va supprimer la prédiction et rendre les points. Voilà. C'est bon, ça va disparaître. Pareil, je vous laisse le pratiquer un petit peu sur une feuille, un cahier ou ce que vous voulez. Plusieurs fois, en étant concentré sur l'ordre et le sens des traits notamment. Bon, voilà. Trois traits penchés les uns au-dessus des autres. Et ça, c'est mi. Mi, do, ré, mi, par exemple. Ensuite, on a le mu. Mu. Et là, justement, en japonais, hein, je vous l'ai dit, faux amis, à ne pas confondre avec le ma parce que c'est effet miroir. Hein. Donc, le mu, on va plutôt être sur un L, puis le petit trait.
qui est un peu trop gros, donc je vous le refais. Ça ressemble plus à un L au début, puis un petit trait comme ça. Alors que le ma, c'est l'effet inverse. Hein. Comme ça. Donc c'est très différent, mais c'est vraiment the effet miroir. Et là, bah, j'ai pas spécialement de moyens mnémotechniques, malheureusement. Mais s'il y en a qui en ont dans le chat, n'hésitez pas à les partager. Voilà, le mot. Je vous en refais un petit peu. Un et deux. Quelque chose de ce style. Différent du ma. Quand vous êtes silencieux comme ça, c'est que vous travaillez généralement, c'est bien. J'espère. Parce que si tout le monde est en l'heure que... j'aurais l'air un peu bête. Alors, après le mou, on a le mais. Et le mais, c'est un caractère en deux traits. Qui est légèrement penché, d'accord? Donc, vous faites d'abord le trait horizontal. Ah non, pardon, je me suis trompée. D'abord le trait... plus ou moins vertical, mais on est penché, hein, donc arrondi. Puis, le trait qui va couper et qui va du coup faire une sorte de croix, mais de biais. Autrement dit, celui-là, il faut faire attention à ne pas le confondre avec le na, qui lui va vraiment être très horizontal. Alors que le mais, lui, va être de biais, un petit peu penché. Pour celui du mou, je me dis qu'à peu de choses près, cela ressemble à moutarde et je dis donc mou. Ah, on a l'euro donné. C'est, alors, zéro moyen mnémotechnique, ne sont bêtes, ils sont juste propres à soi-même. Et en soi, mou, pour moutarde, ça peut fonctionner, je pense que je le vois. Hein. Je pense que je le vois. À son desk, c'est Amazon, m'a dit des. Et... Soka, soka. Ça va pour tout le monde pour le mais. Donc encore une fois, faites attention à ne pas le confondre avec le na. Avec le na. Et ensuite, pour finir cette ligne, on a le mot. Et donc ici, on va commencer avec le égal. Hein. Un trait, le deuxième est un peu plus grand. Et puis on va repartir du premier trait pour transpercer et faire une sorte d'angle légèrement arrondi. Et ça du coup bah, c'est le mot qui du coup va ressembler énormément au hiragana. C'est presque la même chose sauf que le hiragana ça dépasse et que là pour le katakana ça ne dépasse pas. Donc faites attention, ça se ressemble mais... ce n'est pas le même caractère exactement. Et pareil, je vous laisse le tracer plusieurs fois et me poser des questions si vous en avez. Je ne sais pas si je vais trop vite, j'espère que ça va pour tout le monde. Je vous fais une dernière fois le mot. Voilà, quelque chose de ce style-là. Ah, inezen. Pas mal aussi comme même technique ça. Et puis, l'hiragana est un peu moins courbé à la fin. Les katakana sont plus droits, les traits. So, desne, kikisan. So, so, so. Et Seiman nous donne un parfait exemple. C'est le mot comme dans Pokémon. Pokémon. Pokémon, desne. On a dit desne. Hi. Est-ce que ça va pour cette première ligne, tout le monde? Si ça va, eh ben, n'hésitez pas à me mettre des petits clap, clap, clap dans le chat pour les katakana. Daijoubu desu ka? Dou kana? Dou kana?
Hop. Ça va pour Kitiara-san. Ça doit aller, j'imagine. Je vous l'ai dit, je suis calme aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? Allez, Candice, là, réveille-toi un petit peu. Bon, parfait, on continue? Ah, parfait, parfait, ça me rassure. Ok. De manière générale, les katakanas sont plus droits, comme les majuscules d'imprimerie, et les hiraganas sont plus courbés, comme l'écriture cursive. Sorodesne. On reprend du coup avec la ligne des Y qui est composée de trois caractères ya, yu, yo comme en hiragana. Donc pour le ya, on va commencer par le trait qui est le plus à l'horizontale et qui va faire un petit angle, hein, quelque chose de ce style-là. Puis on va faire le trait vertical qui pareil va être légèrement de biais. Bon moi, vous voyez, il a un peu trop de biais, je recommence. Plutôt comme ça, voilà, quelque chose de ce style-là. Merci beaucoup, monsieur Fancy, pour ton follow. Follow, je t'ai collé. Arigato gozaimasu. Kono channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à laisser un petit message dans le chat si tu es curieux de savoir ce que l'on fait ici. Pocket Monster, dessiné. Et autre fun fact, la Pokéball en japonais, c'est la Monster Ball. Monster Ball. Ah, sou dessiné. Mais vous allez voir, ça va être cool qu'on va travailler les cartes Pokémon parce qu'on va apprendre tout le vocabulaire de Pokémon. Ça va être génial, trop génial. Je vous le remonte une fois, le ya. Donc d'abord le trait le plus à l'horizontale, hein, et ensuite le trait à la verticale. Bon, moi vous voyez, il faudrait que je le reprenne et que je le bouge parce qu'il est un peu trop... je sais pas comment on dit, mais il est un peu trop, vous voyez. Un peu trop comme ça, faudrait qu'il soit un peu plus comme ça. Mais encore une fois, là, c'est l'orientation de ma tablette qui fait que on est, voilà, quelque chose plus comme ça. Tu fais du Sven Trad, toi, Saïma? Je savais même pas. Ou j'ai oublié plutôt. J'ai dû oublier. Trop bien. Oh, naruhodo, Kiki-san. Mais je vais essayer. Je vous promets, même moi, pour moi, personnellement, ça me hype de faire ce genre de choses. Donc je vais essayer de le faire en live pour hyper tout le monde en même temps. Ah, naruhodo, Seima. Naruhodo. C'est ce que je me disais. Enfin, il me semblait pas que tu faisais ça genre à plein temps dans le sens régulièrement. Mais trop bien du coup, si. Elles ont de la chance, tes filles. C'est trop génial. Bon, voilà pour le ya. On continue avec le you. Alors you, on est sur, encore une fois, du deux traits. On fait d'abord l'angle, un petit angle droit. Hein. Ouf, il est tout sauf droit, mon angle. Un petit angle droit. Puis on va venir faire dépasser un trait, voilà, en bas. Et il faut que ça dépasse. Hein. Pas trop non plus, mais il faut que ça dépasse. Parce que sinon, vous pouvez le confondre. Je vais plutôt le mettre de l'autre côté, pardon. Vous allez peut-être le confondre avec le ko. Le ko qui, lui, ne dépasse pas. Merci beaucoup, Delta Core, pour ton follow. Follow, je t'ai coulé. Arigato gozaimasu. Kono chanel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à nous laisser un petit message. Surtout pour qu'on sache que tu es bien un humain. Au passage. Donc voilà pour le you. À faire dépasser le deuxième trait. C'est ce qu'il faut retenir. Ko, c'est un carré non fermé. C'est ça, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Ça va dessiner. Je vous le remonte une deuxième fois. Un et deux. Un peu plus. On recommence. Un et deux. Voilà, quelque chose comme ça. Plus ou moins, comme d'habitude. Plus ou moins. Voilà. Ça va pour tout le monde, j'imagine. Tant qu'il n'y a pas de questions, je m'inquiète pas. Et on finit avec le yo. Alors celui-là, c'est le même début que pour le you, sauf qu'il n'y a pas deux barres, mais il y en a trois.
Et du coup, on commence encore une fois avec l'angle, puis le trait du milieu, puis le troisième trait. Cette fois-ci, ça ne dépasse pas. Et concrètement, hein, c'est un E à l'envers. C'est un E effet miroir que vous voyez pas parce que je l'ai mis trop de côté. C'est un E effet miroir. D'accord? Et ça ne dépasse pas, j'insiste. Ou un 3 très raide. C'est ça. Ou un 3 très raide. Vous pouvez vous imaginer un peu en mode wesh-wesh, vous savez, en mode yo les trois. Évidemment, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas du tout avec moi. Mais vous voyez le délire. Un 3 sur un réveil, c'est ça. Ou le réveil qui vous dit yo, il est 3 heures. Ou un M 90 degrés. Oh ouais, wow, c'est, on peut tout voir avec ce caractère. La wesh la moins crédible de Twitch français. Oui. Parce que moi je suis un ange. Eh oui. Comme ça. Je suis trop gentille pour être une wesh, ça marcherait pas, je suis désolée. Après, je pourrais faire le chauffeur de train wesh, ça serait rigolo de faire les annonces un peu à la wesh japonaise, un peu à la Yakuza. Faudrait que je m'entraîne, mais en roulant les R là. Irashaiwase! T'en connais. J'arriverai tellement pas à garder mon sérieux. J'ai déjà du mal à garder mon sérieux pendant ce moment-là, bah alors en Yakuza, ce serait compliqué. Ça va pour tout le monde pour cette ligne-là aussi, plutôt courte vu qu'il n'y en a que 3. Je pense surtout que ça cause des oreilles sur ton casque. Peut-être. Furui no? La tenchi te itta kara ureshi kedo furuku nai yo. Saïma a dit que je suis un vieil ange. Même pas, c'est pas le bon chi. Rien ne va, rien ne va, Saïma, rien ne va, je suis pas contente. Mané, mané. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si l'on peut continuer sur la ligne des R, du coup. Enfin, je crois que c'est pas le bon Tenchi. T'es sûr que c'est le Tenchi de Tsukau? C'est pas le chi dans les kishi? Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écrit que du coup j'ai le doute. Ça se trouve, tu as raison. Ah, そっか。あ、そっか、そっか。じゃあ、覚えておくね。Ah, parfait. Eh bien, on continue avec le ra. Ra. Et donc, ce caractère-là, eh bien, on est sur du deux traits. On commence avec un trait horizontal. Et le deuxième trait va être horizontal, mais va tout de suite venir faire un arrondi, un angle arrondi. Cette partie-là, hein, c'est le fou. Hein. Et donc, du coup, forcément, celui-là, il ne faut pas le confondre avec plusieurs caractères. On a notamment le D, le T, ou le D avec les tenten, hein, par exemple. C'est l'un des mots, il faut vraiment, enfin l'un des caractères qu'il faut pas trop se tromper, hein, parce que vous avez là une base commune, on va dire. Merci beaucoup, Lem Tan Kan, pour ton follow, c'est très gentil. Follow, je t'ai coulé. Arigato gozaimasu. Quand notre chaîne, elle est yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à nous laisser un petit message dans le chat pour nous montrer que tu es un humain. Est-ce que tu es un humain? Ramen dessiné, comme dans la ramen. Hisajibuli, je viens juste te dire un petit coucou car je n'ai pas besoin de réviser les kanas, je les connais par cœur. Ah bah écoute, coucou à toi Alexandre, merci d'être passé, ça fait super plaisir, c'est très gentil. Merci pour ces révisions, mais de rien. Du coup, Lem, est-ce que tu as des bases en japonais, j'imagine? Tu connais déjà tous tes kanas? Qu'est-ce que tu connais en japonais pour le moment? Est-ce que tu arriverais à estimer ton niveau? Donc voilà pour le la. On continue avec le li. Donc le li. Eh bien, il ressemble fortement à Nya. Merci beaucoup, Aaron Tontozan.
Merci pour ton follow, follow してくれてありがとうございます。このチャンネルようこそ。Je bague un peu en ce moment, non ? Bienvenue sur la chaîne. Et puis, bah, j'espère que toi aussi, tu es un humain. N'hésite pas à nous le dire dans les chats. Pour un homme du nord de la France, Lille, ça doit être facile de retenir le chi japonais, car on dit chi, alors que dans le nord, il place le T avant le L pour faire ch'ti. Ma, so desu ne. Après, il faut savoir que moi, je suis pas née dans le nord. Moi, je suis née dans l'aube. Je suis de Champagne de base. J'ai vécu mes 10 premières années là-bas. Et après, eh ben, on s'est tous rapatriés. dans le nord parce que toute la famille était là-bas. Mais moi, je viens de l'aube. Ah, d'ailleurs, j'ai su lire une partie de japonais sur mon t-shirt grâce à un des mots de la deuxième liste de kanji sur Quizlet. Chibashi. Ah, soka, j'ai su dire que c'était Chiba. Ah, c'est Chi, du coup, Kikisan, la ville de Chiba. Et donc, j'ai été chercher sur Internet et j'ai vu que ça... Ah, son. Parfait. C'est difficile d'estimer son propre niveau, je trouve. Tu peux faire une estimation. Moi, je suis pas N3, je suis pas N2, je suis un peu entre les deux. Coucou, Germinante, comment tu vas? Genki desu ka? Yasumimashita ka? Je suis niveau N3. Ah, so desu ne, Alexandre. So. Coucou Gugero-san! Risk management? Risk management? Te doyu yumi desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire, Seima? J'ai appris le japonais 6 mois, mais j'ai perdu beaucoup. Du coup, révision. Ah! Gambatte-remu-san! Eh bien, écoute, t'es à l'endroit parfait. On fait beaucoup de révisions ici, donc tu seras à l'endroit parfait. Bon, je vous écris le lit, hein. On papote, mais on va essayer d'avancer un petit peu aussi. Le lit, il ressemble beaucoup au hiragana 1 et 2. Sauf que, vous pouvez même le faire venir un peu plus en réalité. Sauf que la différence, c'est cette partie-là. Pour le hiragana, vous avez un hane, alors que pour le katakana, il n'y en a pas. Ça va, merci, j'ai dormi toute la journée. Ah, maman, yokatta ne, yokatta kana. Yoku ganbatta kara ne. En même temps, t'as beaucoup taffé hier avec les 12 heures de live. Hein. Au passage, n'hésitez pas à aller envoyer du live, c'est pas du love, c'est du live. À Jeremy, qui live presque tous les matins, j'ai envie de vous dire. Qui vous partage ses révisions de japonais. C'est un amour, n'hésitez pas à aller follow. C'est même pas une demande, c'est un ordre, faites-le. C'est la région qui veut qu'on apprenne le japonais, Kansensei. Je suis Ardennais. Ah, soka! Ja, yoroshiku. Et merci beaucoup à Silmesan pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Hi, arigato. De rien, Lemusan. Est-ce que ça va si je raccourcis ton pseudo en Lem? Lemusan. Daijoubu desu ka? Est-ce que c'est ok? Oui, on fait beaucoup de révisions. En 2 ans, on est toujours en train de retravailler les bases de grammaire et les kana. Ah bah ça, c'est Kiki-san, c'est Twitch qui veut ça. Hein. De rien, Jeremy. De rien. C'est largement mérité. Tu devrais même pas me dire merci. C'est là. Tu fais partie des bases. Coucou Solide-san, comment vas-tu? Genki desu ka? Ah, bah je connais pas spécialement ce mot. Mais bon, gestion de crise, je vois, mais... Ok. T'as trouvé ce mot là où, Seima? Les bonbons des enfers, j'ai trop mal au bide. Ah, kawaiso. Kawaiso na Jamilando desu ne. Ah, ja, Lemi-san. Ok. Ja, Lemi-san. Ni, shimashou. Tu débutes en japonais, Solide-san? Est-ce que tu as déjà des bases ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà essayé d'apprendre par toi-même? Alors, je pense que je vous ai laissé assez de temps pour le lit. Du coup, on continue avec le loup. Le loup, on est encore une fois sur un caractère à 2 traits. 1 et 2. Ouh, il est pas très beau. Attendez, je recommence. 1 et 2. Voilà, beaucoup mieux. Là, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part qu'il va pas falloir se tromper avec le suivant. Le lait. Mais vous verrez juste après. Ah, pas encore solide. Alors,
La première étape, si tu t'es motivé, décidé à apprendre le japonais, c'est d'apprendre ce que l'on appelle les kana. En japonais, tu as deux types de caractères. Soit tu as les kana qui vont représenter à chaque fois un son. Là, typiquement, tu en vois. Tu as le kana, en réalité qui s'appelle katakana, qui va représenter le lu, le son lu en japonais. Et ça, eh bien, tu en as un certain nombre à apprendre. Et c'est souvent la première chose qu'on recommande d'apprendre quand on commence le japonais. Le deuxième caractère, c'est ce qu'on appelle les kanji. C'est des caractères généralement plus complexes qui n'ont pas un seul son, mais plusieurs. Ils ont plusieurs lectures, on appelle ça des lectures. Et donc, si tu veux commencer à apprendre le japonais, il faut que tu commences par apprendre les hiragana. Là, nous, on est en train de faire les katakana, donc c'est le deuxième. Les hiragana, c'est pour écrire les mots qui ont été inventés par les japonais, alors que les katakana, c'est pour écrire les mots qui ont été empruntés des langues étrangères. D'accord ? Donc si t'as un petit guide pour débutants, je pense que ça doit être marqué. Et ça équivaut à un alphabet, en fait. On n'appelle pas ça un alphabet parce que les japonais, ils fonctionnent avec des syllabes, et plus précisément avec des mots. Mais du coup, on parle plutôt de syllabaires. Et ces syllabaires-là, on les appelle les kana. Voilà, c'est le terme japonais pour ça. Les lectures, c'est le pire truc. Ma, ちょっと難しい desu ne. Je suis d'accord, c'est pas évident. Avec des morts. Non, pas comme ça. Donc, solide, si tu veux commencer à apprendre, tu as plusieurs solutions sur cette chaîne. Soit participer au live du lundi. Tu verras qu'à un moment donné, on va revenir sur les hiragana dans 3 ou 4 séances. Donc, tu pourras voir un peu ce qui s'y fait. Sinon, on a déjà fait des cours sur cette chaîne des hiragana. Et tout est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, en replay. Et en plus de ça, moi, eh ben, je suis professeure de japonais et j'ai écrit un manuel pour les apprenants autodidactes, comme toi du coup, pour vous permettre de manière générale d'apprendre plus facilement les kana et de pratiquer davantage. Chose qu'on ne fait pas forcément super bien quand on n'a pas le bon support, je dirais. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour, tu verras. Ça pourra peut-être te servir. Et là, pareil, je pense qu'avec le petit blabla, je vous ai laissé assez de temps pour le lait. On continue, le loup, pardon, donc on continue avec le lait. Et je vous l'ai dit, hein, là, il faut faire attention parce que le lait, eh bien, c'est la deuxième partie du loup. C'est juste ça. Voilà, lait. Ah, coucou Angelusan, je suis lyonnais et dégoûtée. Pourquoi dégoûtée? Ça y est, t'as réussi à déménager? Ah non, otsukare-sama. Comment dire en japonais? En tout cas, solide, si tu as des questions sur les kana ou sur l'apprentissage du japonais, n'hésite pas à les poser dans le chat. On est sur un live vraiment chill aujourd'hui, donc je peux me permettre d'y répondre, même si c'est pas directement en lien avec les caractères que tu peux voir à l'écran. Qu'est-ce que tu as vu, Angelou? Il y a une streameuse qui s'appelle Sophie qui donne des cours de japonais. Oui, exactement. Alors, il y en a plein des streamers qui, en plus, sont tous topissime. On a Japan Kanke, on a Judaichi, on a Germinon qui est encore dans les chats, je crois. Tous ces gens-là, tu peux leur faire confiance pour t'aider, voilà, à progresser. Si t'as des questions ou quoi que ce soit, on se connaît tous et je te les recommande tous. Ils sont tous très gentils et tous très compétents. Les Stolandes, comme dans les Stolandes, so desu ne. Oh non! Zen attitude, je t'envoie du love, faut pas dire ça! Coucou, comment ça? Comment tu vas? Des bacs congélos ouverts avec les produits posés en vrac dedans, mais sans porte ou autre pour les fermer. Ah! Ah! Ah ouais, chaud! Ah, je compatis, Angelusan. Toujours là, mais je bagarre avec la petite. J'ai bien eu trop, tu mets des patates en mode. Arrête! Arrête! Bah non, non, évidemment. C'est pas comme ça, mais ça serait drôle. 20 ans que j'ai pas vu ça. Pienne, hein, t'es lu. Pienne. Ah, je vous jure. Donc voilà pour le lait. Et on finit avec le l'eau. L'eau. Bah là, regardez, hein. L'eau. Ça peut faire plus ou moins la même chose. Quand vous prononcez l'eau, et bien vous avez votre bouche qui fait un rond ou un carré, hein, de manière générale. Et ben voilà. 1, 2, 3. Un carré,
en trois traits. Mais ça va, demain, j'ai peut-être trouvé un truc cool. C'est-à-dire, dis-nous tout. Je suis jamais allée à Lyon. Un jour, j'aimerais bien y aller parce que ma maman m'a toujours dit que c'était une super ville quand elle a travaillé là-bas. Mais et moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et en effet, Kiki-san, tu fais bien de le mentionner, le lo ressemble au kanji kuchi, qui veut dire la bouche. Lo sera plus petit que kuchi, du coup. Généralement, vos kanji sont censés être plus gros que vos kana. Et c'est comme ça qu'on peut les... Quand on a justement des caractères qui sont très ressemblants entre les kana et les kanji, qu'on peut les différencier. So desu ne. Aïe. Ça va pour tout le monde pour cette ligne-là ? N'hésitez pas à me mettre des petits clap 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 dans le chat. Ma perruque est en train de me faire mal. Mais un mal de chien, je sais pas pourquoi. Je l'ai mis comme d'habitude, mais là... Qu'est-ce que je fais pas pour vous, les gens ? Ok, parfait, parfait. On continue du coup avec la dernière ligne et après on pourra passer aux exercices. La ligne des W et du N tout seul, hein, le N. Alors du coup, Kumo, comme j'ai loupé deux streams, eh bien je les enlèverai à la fin de cette semaine. Voilà, jeudi, ce sera le dernier jour perruque. Bon, ça a l'air d'aller. Du coup, on reprend. Hein ? Pourquoi rencontrer problème ? Pourquoi ? Non ! Attendez, je vais quitter l'application et la relancer. attendez, je sais pas ce qui se passe. Rassurez-moi, le stream va bien. Internet, c'est ok là. Rassurez-moi. Ah, chotto matte ne. Ça veut pas. Vous entendez les petits clic-clic? Pourquoi ça veut pas? Allez? Allez? Mais les gens, moi, je veux vous écrire les caractères. Attendez, on va retenter. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Le stream va bien, c'est le principal. C'est le principal. Sinon, bah désolé les gens, vous allez devoir faire ça comme des grands. Ou je vais devoir sortir Paint. Oh non ! Pourquoi ? Allez, on va aller sur Paint. Paint, ça fonctionne merveilleusement bien, n'est-ce pas ? Attendez, je fais les petits réglages du coup. Pinceau. Aïe, 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 le retour de Paint. Aïe, 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 aïe. Attendez, hein, du coup, faut que je fasse les réglages. Tableau blanc, on va mettre ça sur Paint. Et évidemment, on va quadriller tout ça. Tout en matiné. Voilà. Alors, comme je disais, le wa. Le wa, on est sur un caractère à deux traits. Oh non, attendez, il faut que je fasse plus grand. Je peux pas trouver autre chose. Je peux pas avoir un pinceau genre comme ça. Ah, si, ça sera déjà un petit peu mieux. Je pense pas que je peux faire une taille plus grosse, malheureusement. Ou alors je peux zoomer. Est-ce que je peux zoomer? Ouf! Bah écoutez, on n'aura pas mieux que ça. Désolé, un Paint, c'est pas top top. Je préfère mon whiteboard, mais tant pis. Du coup. Waouh, c'est beau Paint, exactement. Alors, comme je disais, waouh, en deux traits, un petit trait, comme ça. Et le deuxième trait, c'est le fou, hein, que l'on a déjà vu dans le la et dans d'autres caractères. Quelque chose de ce style-là. Je vous remontre ça parce que du coup là il est pas top. 1,
2. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. One Piece desene ou One One, c'est le cri du chien. One One. So desu ne, seimasan. Donc voilà pour le wa. Je vous laisse l'écrire un petit peu quand même. Hop, je vous le remontre. 1 et 2. Et le chat, ça fait nia. So desu ne, nia nia te koto ne. So. Donc là, pareil, je pense que... Bon, généralement, ce n'est pas un caractère qui vous embête plus que ça, le wa. Donc on continue avec le o, wo, caractère qu'on ne voit jamais, mais qui existe. Alors parce qu'on a pitié, on va le travailler. on est sur un caractère à trois traits. Trois comme ça, pardon. Je dis deux, mais c'est trois. Trois traits. Faites attention, vous pouvez vous faire avoir. On va commencer avec ce qui peut ressembler vaguement à un égal. D'accord ? Et une fois seulement que vous avez fait votre égal, vous allez repartir du 1 et revenir avec un arrondi en passant par la fin du 2. Et ça, c'est O, Wo, Wo, O, les deux. D'accord ? Je vous remontre ça. On fait d'abord le égal. Et ensuite, on fait le trait. Bon, c'est censé être comme ça, voilà. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est un O, Wo, en japonais. Wo ! Candy, elle est trop forte ! Merci, c'est pas vrai, mais merci. Ça en est. Donc voilà pour le wo, wo, desene. Et pour finir, eh bien, on a le petit n, en japonais, le n. Et donc là, on va commencer en haut pour faire un petit trait qui va descendre. Puis on va reprendre tout en bas à gauche et on va remonter. Comme ceci. Ça doit donner quelque chose de ce style-là. Et là, encore une fois, vous faites super attention, parce que celui-là, eh ben, il se confond super facilement avec le so, qui lui va partir du haut, donc c'est plus ou moins la même base, mais le deuxième, il va partir justement du haut à droite, du coin haut droit. Alors que pour le un, il part du bas, et là, il part du haut. C'est ça la différence, c'est ça qui va vous permettre de voir la différence aussi. Mais oui, c'est marrant. On le croise jamais. Et même wo, dans wo top par exemple, c'est un U avec un petit O. Genre W-O, on a vraiment pitié de lui, on le voit. Mais en soi, on le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et du coup, sur le même principe, vous avez aussi le caractère en shi et en tsu. Shi, vous avez un petit trait là supplémentaire. Et tsu, vous avez un petit trait supplémentaire. Et c'est la même base. Exactement la même base. So desu ne, un dieu. Tu sais, Kana, c'est l'inclinaison des petits traits qui me fait perdre la tête. Il ne te fait pas perdre la tête qu'à toi, sache-le. Ça met en PLS beaucoup de gens. So desu ne. Est-ce que ça a pour tout le monde ce petit caractère, ces petits caractères? Parce que du coup là, on a vu eh bien, tous les caractères de base et les sons dérivés. La semaine prochaine, on verra les petits kakukyo et les sons en fa-fu-fo par exemple. Va-vu-vo, tous les sons supplémentaires. Est-ce que ça va du coup, ces caractères de base? Dites-moi, n'hésitez pas à mettre des petits clap, clap, clap dans le chat si ça va pour vous. Daijoubu desu ka? Daijoubu kana? En espérant que ça aille. Et du coup, on arrive sur la deuxième partie du cours, la partie exercice. On va s'entraîner. Vous allez vous entraîner à lire et comme je vous l'ai dit, eh bien, on va travailler un peu de vocabulaire lié à la nourriture. Wow, et ghoster, c'est triste, ouais, j'avoue. ma ne, ma ne.
Je vis avec mon temps, je suis pas lyonnais, mais un mois. Ah, oh, wait! Ça va aller, Angel, tu vas t'y habituer, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Bon, du coup, on commence cette deuxième partie. On va s'entraîner. On va commencer par un facile. Alors, les règles sont simples. Vous mettez la lecture dans notre alphabet, dans ce qu'on appelle les lomaji. Si vous ne connaissez pas un caractère, à la place de ne pas proposer de réponse, mettez plutôt un X à la place de ce fameux caractère que vous ne savez pas lire encore ou que vous n'avez pas encore retenu. D'accord ? On va prendre un exemple avec le tout premier. Ici, quel est le mot ? Quelle est la lecture de ces katakana ? Il y a Temiluka. Tu vas essayer, Jeremy ? So, desne. Ici, on va avoir le mot pan. Faites attention, c'est bien un on, celui qu'on vient tout juste de voir. Hein. Pan. Pan. On continue. Et pour ceux. Alors, on l'a pas encore vu, mais c'est plutôt facile à retenir, donc je vous le dis. Un allongement, un trait comme ça, un allongement, ça représente justement l'allongement d'une voyelle. Donc, quand vous l'écrivez, eh bien, vous pouvez mettre un accent circonflexe, c'est le plus simple. Hein. Un accent circonflexe sur la voyelle d'avant. Pour dire que ça allonge. Ah oui, une insulte. Mané, mané. Coucou ténébreuse, comment tu vas? Ah, bata, décidé. Le beurre. Bata, qui vient de l'anglais, bien évidemment. Et pas du gros mot français. On continue. Kono kotoba wa nan desu ka? Alors, quelles sont les lectures de ces caractères? Comment me liriez-vous ce mot? Un peu plus compliqué cela? Je vois pas beaucoup de réponses. Non, c'est pas baka, c'est cheese. Chi, allongement du i, z, cheese. Un mot inutile quand on habite au Japon, à skip. C'est vrai, ils n'ont pas du vrai fromage. Sauf quand vous allez au restaurant italien. Ou dans les restaurants indiens. Des fois, ils ont quand même du bon fromage. Ça en est. On continue? Alors, celui-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ils ont des restos FR quand même, hein. Mais dans les peu de restos français où je suis allée, j'ai jamais fait attention. Ils doivent avoir un plateau de fromage, j'imagine, mais ça coûte cher d'importer du fromage en français. Mais genre vraiment très cher. Genre ton camembert, 20 balles, bof, hein, bof. Petit président, bof. sans dessiner, ici ça sera soupe. Soupe, de la soupe. Exactement, soupe. Soupe, non, mimasen ka. Autant le faire soi-même. Ouais, la galère quand même. La galère. Jatsugi wa. Sore wa oishi. Watashi ga suki nan desu kedo ne. Merci beaucoup, Monal TV, pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, quel est ce petit mot? Dites-moi. Oui, Kiki-san. So desu ne. Exactement. Bien joué, tout le monde. Sore wa chicken desu. Chicken. 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 Onaji desu ne. Ma niteru ne. Ça ressemble. Chicken. Chicken. Ja, tsugi wa. Ah, sore mo oishi ne. Ça aussi, c'est bon. Bah, je vais dire ça à chaque fois. J'aime bien tout. Sauf, encore une fois, sauf le cassoulet. Watashi wa cassoulet ga suki de wa arimasen.
On est d'accord que le mot bienvenue en japonais, même si il voulait rien dire, il est tellement chantant qu'on sent bienvenue rien qu'en l'entendant. Yōkoso, yōkoso dans... J'imagine que tu parles de ça. Le Japon, ça rassemble le reste du monde. No. Asoka, asoka. Très bien tout le monde. Noodle. Noodle avec un allongement du. Noodle. Les nouilles. Oishii ne. Noodle wa oishii desu. Ja tsugi wa nan desu ka? Sare wa Ghosto san ga daisuki desu. Vic, Ghosto adore ça. Il va voir le replay à faire. Ah. Il va dire oui. Salut, Quentin Dessene. Généralement, tous les mots que l'on va voir aujourd'hui, vous serez capable de les comprendre. Ça vient de l'anglais, ou alors des fois, ça peut venir peut-être du français, ou je ne sais quoi, mais c'est très transparent, dirons-nous. Cup noodle, to onaji desu ne. So ne. Alors, celui-là, ce sera potato. Potato desu ne. Les patates. Les patates. Exactement. Ja, tsugi wa? Alors là, ici, c'est un petit caractère. Et c'est la même règle pour les hiragana, souvenez-vous. Petit caractère, même règle que pour les hiragana. Ah, c'est déjà ça, Angel, du coup, si t'avais le reste. Ah, pas vraiment, Seima. Pas vraiment. Ici, ça sera peppa. Peppa, le poivre. Peppa. Peppa, le poivre. Ja, tsugi wa? Tsugi wa nan desu ka? C'est pas piment, parce que piment, c'est le poivron. Je sais pas comment on dit piment, j'ai oublié. Peppa Pig. Ah, vous avez eu la même blague en même temps, ça imagine, mais c'est beau, c'est beau. Alors ici, ça sera... Fruits. Bro first. Ah non, c'est... J'ai rien dit. Fruits. Fruits, les fruits. Les fruits. Très bien. Ja tsugi wa nan desu ka? Sore mo kantan desu ne. Plutôt facile à deviner celui-là. Mm. So ne, sore wa banana desu. Banana desu ne. Banana. Et tsugi, le suivant? Tsugi wa nan desu ka? Nan no fruitsu desu ka? Nan no kudamono desu ka? Nan no iro desu ka? Mm. Sou ne. Sou ne. Ii ne, minasan. それはオレンジ、オレンジです。オレンジです。ça marche aussi pour la couleur, hein, du coup. オレンジ、le fruit ou la couleur. Et 次は何ですか？それも美味しい。ちょっと飲み物とかお菓子とかキャンディとかね、美味しい。Mon dieu, Seima, je rigole à ça! Pourquoi? En vrai, si, c'est rigolo. Alors, ouais, hein, les deux derniers, c'est ceux qu'on vient de travailler aujourd'hui. Et ça se dira. Lemon. Lemon. Mm, lemon. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai laissé le Pokémon depuis le début. Alors, c'est joli, mais. Oupsie!
そうね、レモン。次は何ですか？Et vous, quelqu'un qui s'appelle Raymond aussi. Alors ici, qu'est-ce que ça peut être? Pareil, c'est transparent. C'est ça, Angel. Exactement. Si tu t'appelles Lemon, bah tu t'appelles citron. Lemon to use wa dochira ichiban suki desu ka? Ya watashi wa まあ、日本のだからユーズの方が好きかもしれないね。でもレモン味はだいたい同じでしょ。J'aime bien le yuzu, mais yuzu citron, il n'y a pas non plus grande différence. C'est juste que yuzu c'est japonais, donc dans notre tête c'est forcément mieux. Dans la mienne notamment. Très bien tout le monde, ici c'est melon. Melon, le melon, ça va être la période en plus là. Il y en a qui commencent, on en a mangé 2-3 là, ils sont de plus en plus bons. Déjà, tsugi wa nan desu ka? Tsugi wa nan deshou ka? Le deuxième, on l'a vu aujourd'hui. Ah, kantan desu ne, plutôt facile celui-là. Pas forcément zen attitude, hein. Ça va dépendre des yuzu. Hein. J'ai vu des yuzu qui étaient quand même vachement gros, hein, donc peut-être que de manière générale c'est plus petit, mais je sais pas. Je reviens, alerte bébé. Gambatte Jeremy, gambatte ne. Et du coup très bien tout le monde. Tomato, tomato, la tomate, tomato desu ne. Jatsugi. L'avant-dernier, c'est l'avant-dernier pour aujourd'hui. Ah, ça, on est Angel. Moi, je fais partie de ces gens qui ne ressentent pas trop les différences. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais un coca et une sous-marque coca, c'est la même chose pour moi. Genre, vraiment. Donc, un citron et un yuzu, en goût, ce sera la même chose pour moi. Sauf sur certains desserts où ça va sentir la différence, mais de manière générale, je ne fais pas la différence malheureusement. Bon, il est un petit peu long ce mot-là, et pareil, on a un petit caractère ici, hein. Mais encore une fois, rien de bien nouveau parce que c'est la même chose que pour les hiragana. Si vous avez ce caractère-là plus un petit caractère comme ça, ça donne cho desu ne, chocolate, chocolate. Surprise. まあね、キンダーサープライズ。ね。Le chocolat. C'est quand même vachement important de savoir dire chocolat. Chocolato. Chocolato ですね。Et pour finir, le dernier pour aujourd'hui, vous aurez déjà très bien travaillé. Ah, そうですね、アンジェル。そうですね。Choco, cocoa, c'est ça? Cocoa, cocoa, chocolat chaud, déjà. Oui, car c'est trop bon le chocolat. On est d'accord. Ah non, tu parles de choco, pardon. Choco. Je préfère le citron, c'est vrai? Oh. Je juge. Alors ici, c'est quoi comme mot? Cake, cake, comme un cake, 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 desu ne. Moi aussi je juge pas. Cake wa nani nani da yomenai kanji. Désolé, c'est des kanji pas de mon niveau, ça. Suimasen ne, suimasen. Comment on dit caramel? Caramel, je crois, avec un allongement. Caramel. かもしれない。ケーキは嘘だ。
Ah, c'est Ousso. Et j'ai pas la ref. Je suis madame pas la ref. Faut pas l'oublier. Ah, oh, vous êtes pas possible. Je vous jure. Est-ce que ça va pour tout le monde? Du coup, c'était le dernier mot pour aujourd'hui. Tajibudeska. En tout cas, vous pouvez vous faire des clap, clap, clap dans le chat. Vous avez très bien travaillé, les gens. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. C'est excellent. Ah, petite difficulté entre le bois et le quai. Ah, so desu ka. Pourtant, le quai, le trait, il est au milieu. J'ai pas d'aide comme ça qui me viennent à l'esprit, mais j'y réfléchirai aux attitudes, d'accord? Si je trouve un truc, je le mettrai sur le serveur. Et merci beaucoup, Melkikido, pour le follow. Follow, je t'ai clété. Arigato gozaimasu. Konnichiwa, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Clap, 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 même si j'ai rien foutu. Si, t'étais là. T'as forcément fait quelque chose vu que t'étais là. Soro desne, soro desne. Otsukaresama, minasan. Vous avez bien travaillé, c'est très très bien. Très 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 bien. Très très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui du coup? Est-ce que tout est bon pour vous? Clair comme. Comment on dit de l'eau? De. Je sais plus comment on dit. De roche. Ça se trouve, je suis en train d'inventer des trucs. Je suis fatiguée. Toi aussi, tu as bien travaillé, Kian dit. Allez, ma ne. Son ne. Il commence à y avoir trop de kiki dans la classe, mais je reste le préféré de cette. Mais non, il n'y a que toi pour le moment dans le chat en kiki-san, des chats. Ah, soka, Seima. Ah, bah voilà, Zen Attitude. Parfait. Normalement, à partir de maintenant, tu devrais t'en souvenir. Bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Génial. Super, super génial, comme on dit. Ah, par rapport à la venue de Merukiki Doné, Naruhodane. Seima, je vais te sortir là. Je suis désolée, je vais te sortir. Ça va être un ban. Ah, je vous jure, vous me fatiguez, les gens, vous me fatiguez. Mais je vous aime quand même. Et c'est réciproque, j'espère. Et là, ça va marquer. Non, non, bah non. Non. Oh là, ça, c'est pas encore du tout cuit avec mon cerveau. Ah, gambatte, Zen, t'inquiète pas. Ça va le faire. À force de voir, à force de répéter, tu vas y arriver. Je crois que je suis celui qui te fatigue le plus. Peut-être. Je sais pas. Kokoso est là, vous faites la paire aussi. Hein. Et avec Isdum, le trio, donc... Ça en est. Oh là là. C'est ça, t'es tout seul. Mais quand il y a les autres... Bon, sur ces belles paroles, mes gens, est-ce que vous auriez une petite recommandation à me faire? Et c'est vrai qu'il y a Mayo avec un quatuor, c'est vrai. Mais Mayo, on le voit moins, malheureusement, il y a plein de trucs à faire. Et c'est ça, Angel, il est pas souvent là. Mais quand il pop, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Pas de reco, Kumo-san. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai de mon côté, du coup. J'ai pas... Attendez, hein. C'est pas grand monde. Je regarde un peu dans les recos, on sait jamais. Rappel, demain c'est Candy. Exactement. Très bien, Merci Saïma. Bon, on va aller trouver quelqu'un pour raid, hein, bien évidemment. Mais sinon, demain, n'oubliez pas, demain c'est un live de Kanji. Et demain, en début de cours, eh bien, on va faire un test sur les Kanji de la leçon 1, partie 1 et partie 2. Donc, il ne faut pas hésiter à aller checker les decks que j'ai pu faire et que Kiki-san a fait en version traduction en français. Et de manière générale, demain, je ne sais plus les congés que l'on travaille. Ah si, on va travailler les jours de la semaine. Des choses qu'on a déjà travaillées sur la chaîne, mais qui fait toujours du bien à revoir, notamment le yo
de Yorobi, hein, pour les jours de la semaine. Vous allez adorer, comme d'habitude. Mais voilà, demain, cours de Candy. Thèse de Candy sur le deck 1 et 2. Puis, jour de la semaine. Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait cette fonctionnalité-là maintenant, c'est trop bien. Faire des annonces. Mes decks sur Quizlet, oui. Alors, Gugeo, si tu ne vois pas de quoi je parle, je referai une annonce ce soir ou demain matin. Non, ce soir, pour rappeler qu'il y a un petit test de Candy en début de cours. Hein, et je mettrai les decks. Comme ça, bah, tu pourras les retrouver facilement. Ok. Je vis entre des montagnes de cartons actuellement. Le PC était plus important que le reste. Qu'est-ce que je te comprends? Qu'est-ce que je te comprends? Ne pas confondre avec les decks Pokémon. Je vais essayer de pas confondre. Promis, je vais essayer de pas confondre. Promis, promis. Bon, il y a Chef JM. On va chez. Ça vous donne envie de faire la cuisine? Attendez, je vais arrêter d'en parcourir parce que c'est des gens qu'on connaît déjà. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles personnes. On va aller dans Just Chatting et on va voir ce qui se passe. Attendez, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens. On va aller découvrir quelqu'un. Je vais vous trouver quelqu'un, vous allez voir. Alors. Qui est-ce qu'on peut avoir? Oh, il y a un petit live anniversaire ici. Allez, c'est bon. Je sais pas qui c'est. Franchement, ça va être une découverte. Mais ma foi, il faut se surprendre dans la vie. C'est son live anniversaire, donc c'est forcément une bonne occasion d'y aller. Alors, attendez, hein. Oh non, attendez, mon clavier il refonctionne plus, me dites pas ça. Oh, mon clavier qui déconne. Oh, attendez. Attendez, ne partez pas, on va raid, ça fait toujours plaisir aux gens. Alors, c'est Keep Live. Est-ce que ça marche? Ah ouais, non, pas fail comme hier, non mais à chaque fois, je me tape des fins de stream en fait. Et du coup, bah, tant pis, popi, là, tant pis. Là c'est bon, c'est en plein live anniversaire, ça risque pas. Elle a l'air d'être pas très très connue, il n'y a pas beaucoup de monde. On va aller lui souhaiter un joyeux anniversaire, d'accord? Bon, comme d'habitude, on se quitte sur la chanson d'Otsukaresama. Vous l'avez bien mérité, vous avez bien travaillé. Et on se retrouve demain à 18h30 pour travailler les Candy. Nice, nice. Des shows. Very nice. Santé, Saïba. Et c'est parti. Samadishita. Otsukare. Samadishita. Je vous fais des bisous tout le monde. Et passez une bonne soirée. Et à demain. Bye bye.